Coucou. Coucou Jacqueline, coucou Elodie Laure. Comment ça va? Coucou Sylvie, coucou Libellule. Coucou Sœurette, coucou Frédéric. Coucou Vanessa. Coucou Patricia. Ça va, Jacqueline, tu peux me tutoyer, je te l'ai déjà dit. Recoucou, mon petit chou à la crème. Coucou, Anna. Alors attendez, hein. Voilà. Voilà. Coucou Terra. Coucou Chérine. Merci, ma chérine. Voilà, ça arrive tranquillement. T'as pu te reposer un peu après le live, ma Katniss? Coucou Lorraine. Coucou Luna. Ah, ma Dorothée est là. Alors, je vais copier le lien. Et voilà, coucou Aline. Alors, je vais bien m'installer. Voilà. Cool.
Coucou Marie. Alors. Alors, je rappelle qu'il y a un appel aux dons pour la maman d'Aliénor. Ah, d'accord. Ça bug, ok. Coucou Ingrid. J'espère qu'elle va arriver à venir quand même. D'accord, ma Katniss. Coucou Muriel. Coucou. Ah là là, ça bug. Voilà, on me voit. Ben, on te Oh, voit, mais voilà, ça y est. Ça y est, bouge. Voilà, ça c'est bon, ça bug. Ah là là. Coucou tout Coucou le monde. Coucou Lorraine. ma papillon adorée. Ah, ça fait du bien que tu sois là. Ouais, c'est clair. Alors, on va attendre que ça arrive un petit peu. Coucou Joël, coucou Véro, coucou Lorraine. Coucou Karine, coucou Jacqueline, enfin coucou tout Oh là là. On est bien toutes les deux, hein, chérine. Hein. On est bien en duo là. Moi, j'adore. Ça fait du bien, ça fait un moment là. Oui, bien sûr, c'était très bien. Mais que je me suis même endormie après. D'accord, en Genève. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. Alors, oui, Aliénor va bien, elle va arriver après le boulot. Voilà, mais je fais vraiment un appel aux dons pour qu'on lui offre une gerbe. Je demande à chacun de faire un effort, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas besoin de donner beaucoup. Si chacun donne 1 euro, voilà, parce qu'elle a vraiment besoin de notre soutien. Voilà. Donc, cette semaine, je fais vraiment l'appel aux dons pour elle. C'est mignon. Beau duo, on vous aime trop. Merci, maman. Merci, Joël. Mon homme, il est allé vite faire quelques petites courses, ça l'a épuisé. C'est bon, ça l'a rendu fou. Ah oui, c'est vrai, c'est ouvert chez vous. Bah oui. Mais tu sais que ça me fait bizarre de ne pas être au rythme de l'Alsace. Moi, j'avais l'habitude de ce long week-end pascal où tout est fermé et tout. Je trouvais que c'est bien, quoi. Tu Ah vois? ouais, mais en fait, tu sais pourquoi, hein? C'est parce qu'on a pris le calendrier en fait des Allemands. Donc, du coup, on est au rythme des Allemands aussi. Non, Terra, pas encore.
Mais ça va pas tarder, à mon avis. Tu l'as bien mis à mon nom, hein, parce que voilà, c'est je vais déposer pour payer après Interflora. Voilà, c'est Cela est ça, magnifique. exactement. Oui, et puis il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. En Alsace, les prêtres, ils sont payés. Ils ne vivent pas des dons des paroissiens. Ils ont un salaire tous les mois. D'accord, Matera. Ok, ça marche. T'as un amour. Et tous ceux qui feront un don auront une consultation avec ma personne. Voilà. Ah, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai la ligne pro qui est bloquée. Je vais devoir changer de numéro. Alors, je vous donne mon numéro perso. C'est pas grave. Alors, attendez. 06. Que chacun le note, s'il vous plaît. 41 01 97 21. Voilà. Elle n'est pas là ce soir, à taxi? Ah si, elle va pas tarder. Si, si, Ah, elle va pas ok. tarder. Oui. Voilà. Comme ça, vous le notez. Voilà, et puis c'est vrai que Dorothée a une très bonne idée. Elle dit, ouais, ce serait bien que tu fasses un petit live. Et Ouais. après, et voilà, c'était vraiment génial. Paul-Éric a fait la lecture en plus. Donc, c'est cool. Je suis vraiment contente. Cette journée, je suis contente. Bah oui, maman, je sais bien qu'elle finit tard. Avec des clients désagréables et tout. Mais les gens sont bizarres. Hein. Les gens sont bizarres en ce moment. Ils sont insupportables. Vraiment. Coucou Glenn. Ah, Coucou coucou Thierry. Madeleine, comment tu vas? Je t'avais pas vu, ma choupette. Mais oui, tu étais très bien, ma Katniss serait adorée. Moi, oui, t'étais parfaite. Non, mais il y en a Oui. beaucoup, hein, qui supportent plus certaines personnes, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est ce qu'on disait, de toute façon, c'est le choix que les gens font de la lumière ou pas la lumière est amplifié. Voilà, on voit bien, voilà, c'est clair et net. Ça fait penser dans Maria Valtorta quand elle parle de la vision qu'elle a eue de la résurrection de Lazare. Ça n'a pas du tout converti les gens, loin de là, loin de là. Les gens, au lieu de se dire, oh mon Dieu, il ressuscite un humain, on se met à genoux tout de suite. Ah non, 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 non. Ils l'ont haï encore plus. Voilà. Et ceux qui l'aimaient tombaient en amour. Voilà. Donc les sentiments changeaient pas. Leur choix était voilà. Mais face à ce miracle, la haine était décuplée, quoi. Moi, je supporte plus les temps. On va se barrer dans une île tous, comme je vous ai dit. Voilà. On achète une île. On se barre. On est entre nous. Bon. Ben, on va commencer. On va bénir le live. Hein, voilà. Alors, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière, éclaire les elfes. Saint-Michel-Archange, de tes ailes, protège les elfes. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends les elfes de tout danger, de toute menace, de toute attaque démoniaque. Papa Padre Pio, je te remets ce live. Remercie Dorothée d'être présente. Comble-la de bénédictions en multiplication. Bénis-la pour sa présence, bénis les elfes pour leur présence. Protège-nous et ferme la porte aux trolls. Merci, Papa Padre Pio. Et voilà!
Merci. J'ai les mains toutes chaudes. Il y a quelqu'un qui est pas très bien parce que du coup, je le sens. Il y a besoin d'un soin. Alors, je D'accord. pense que ça doit être toi, ma papillon. Oui, c'est. Bah, regarde, hein, Parce que l'état de mon j'ai bras. les mains, mais hyper chaudes. Ouais. Regarde l'état de mon bras encore. Voilà, c'est pas possible. Et tu vois, c'est ce que je t'expliquais quand on me poussait avec le caddie dans le magasin. La fois où j'ai dû enlever le colis dans le colis, le collant dans les toilettes du magasin, tellement que ça avait ouvert le lichen, ça a saigné et le collant commençait à s'infiltrer dedans, quoi, tu vois. Oh. Coucou, Alès Hack. Pourquoi laisse? Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, on est à votre disponibilité. T'as un beau croissant de lune, ma belle. Ah, merci, c'est mignon. J'adore. Ouais. C'est de la shungite. Ça Ah! te protège et ça absorbe en fait toutes les énergies négatives. Ça D'accord. pourrait être un bon truc pour toi quand tu fais les D'accord. lives. Ouais. D'accord. Moi, là, C'est j'ai une mis pierre la labradorite. qui absorbe en fait toutes les énergies. C'est quoi que tu as? De la labradorite. Ah, elle est belle! Elle Belle, est hein? magnifique. Mais attends, mais c'est pas quelqu'un. Tu l'as pas acheté chez une fille qui crée des trucs comme Oui, ça? oui, oui. J'avais aussi acheté déjà un truc chez elle. Et tu vois, C'est j'ai les boucles beau. d'oreilles qui vont avec, voilà. Ouais, c'est Et beau, j'ai c'est gardé magnifique. ton bracelet et ta bague. Je voulais qu'il y ait un peu de Ouais, toi j'ai avec vu, c'est beau, hein, ça fait bien. moi. Moi, j'attends plus que mon petit chapelet, comme ça, je vais le mettre sur moi. Voilà. Voilà. Ah ben, qu'à Chapelet Saint-Michel, t'es tranquille. Hein. Je peux te dire que là. Ouais. Est-ce que je vous ai raconté l'anecdote de Saint-Michel? Il y a une jeune femme à qui on a appris à se confier à Saint-Michel et à se consacrer à lui. Donc elle le fait, elle écoute sa grand-mère et sa maman, elle se consacre à Saint-Michel, elle lui demande toujours la protection, etc. Et un jour, il y a un gars qui veut la violer, qui tente de l'agresser, etc. Et elle prie Saint-Michel. Et en quelques secondes, le mec s'arrête net et pâle comme un linge. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes tout à coup? Et le mec lui dit, mais t'as pas vu le bonhomme de 3 mètres de haut qui a derrière toi? Je me casse. Et c'était Saint-Michel qui l'a Oh protégé, qui l'a empêché punaise. d'être. Ah ouais. Un Et le truc mec de fou. terrorisé, terrorisé. Il dit, t'as pas vu le mec de 3 mètres de haut derrière toi? Je vais essayer de voir. Coucou Maryse. Alors. Voilà, je me suis mis en 4G parce que j'arrête pas de bugger en Wi-Fi. Ouais, et ben moi, des fois, je capte mieux en 4G qu'en Wi-Fi aussi, figure-toi. Oh là, c'est une catastrophe. Par contre, Alors. mettez bien votre prénom et votre date de naissance. Libellule, Libellule, il faut dire bonjour à Dorothée aussi, s'il te plaît. Hein? D'accord? Je ne suis pas que moi. Hein? Vois-tu des changements arriver pour et de quel côté? Il faut que tu sois plus précise, Libellule. Là, je ne capte pas ta question, là. Coucou Patricia. Alors, Lorraine. Oui, 3 mètres de haut, Alès. 3 mètres de haut. Et le mec lui a dit, non, mais t'as pas vu le mec qui a de 3 mètres de haut derrière toi? Et il s'est barré en courant. Et la fille a été sauvée d'un viol grâce à Saint-Michel. Est-ce que ma fille Lola sera mise à l'école d'aide-soignante? Les sélections sont au mois de juin. D'accord, Lorraine, on va voir ça. Alors, on y va. C'est parti. Alors, et posez des questions bien précises et Dorothée a besoin de votre date de naissance. D'accord? Et je rappelle l'appel au don pour Aliénor, s'il vous plaît. Alors.
Alors, ça m'a l'air sehr gut. Voilà. Hop. Coucou Cheyenne, comment tu vas? Coucou Sarah. Alors, oui, elle est admise. C'est bon. Alors, on va voir ce que Dorothée dit. Oui, j'ai positif. Positif, super. Ouais. Moi, je suis pour Jésus et toi, ben moi aussi, Alès. Ça, c'est clair. Alors, Patricia. Bonjour, Barbara. Est-ce Coucou, que Barbara. Entre moi et Laurent, il y aura une relation qui deviendra sérieuse et stable. D'accord. Alors, j'ai mon oreille qui gratte. Oh, merci Glenn. Merci Glenn pour Aliénor, super. Donc, tu as une consultation gratuite avec moi. Comme tous ceux qui ont donné d'ailleurs. Alors, non, Patricia, je vois pas quelque chose de stable du tout. Hein. Moi, j'ai la réflexion. Mm. Pour l'instant, donc, c'est ni négatif, ni positif, mais c'est réflexion. Ouais. Ouais. Bonjour, Monique. Alors, Chérine, ma petite Chérine. Les filles, s'il vous plaît, j'ai une question. Pensez-vous que Soufaï pense encore à moi, car il observe toujours ce que je fais? Alors, moi, je t'avais déjà répondu, je laisse Dorothée faire. Ben, moi aussi, je lui avais déjà répondu à cette question. Mm. On avait dit que c'était positif. Mm. Il me semble, hein. On avait dit que c'était positif. Oui, oui, c'est positif, oui, oui. Alors. Aline, c'est pas de la guidance, c'est des questions là. C'est pas de la guidance où tu peux avoir un message. Voilà, la médiumnité, c'est après. Il n'y a pas de souci, Chérine. Ça va, Sarah et toi? Alors, alors c'est pas de la guidance, hein, je rappelle. En fait, c'est juste des réponses par oui et par non. Alors, Libellule, bon, tu demandes si tu vas avoir un changement dans ta vie. On va voir ce qui ressort. Hein. Alors, écoutez.
Alors. Tu rentres dans un nouveau circuit, dans une nouvelle échelle, dans une période d'abondance. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer, ma libellule. Moi, c'est pareil, j'ai la sagesse, la communication et le présent. Alors, il y avait des obstacles dans le passé, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se résoudre. Re ma Pierrette. Coucou. Coucou Aline. Alors, Muriel, j'ai épinglé parce que tu es de Facebook. Parmi ces trois personnes, sa sœur Fred, sa belle-sœur Sandra ou sa cousine, jette un sort sur mon copain, Jean-Marc. Donc, tu veux savoir si Jean-Marc a un sort, en fait. Sans vous donner Moi, c'est comme ça que je vais la poser, la question, hein. on va faire tout simple. Coucou chaton. Coucou à taxi. Elle m'a oublié. Ah non, coucou mon chat et Dorothée. Je ne savais pas qu'il y avait un live, je regardais le chapelet de cet après-midi. Ah, d'accord. Bah oui, là, je le fais ce soir parce que demain c'est le samedi où tu n'es pas là. Alors, j'aurais dû te le rappeler, mon chat, je pensais que tu le Moi, j'ai savais. un homme, en fait. J'ai un homme, il y a quelque chose avec un homme. Alors, moi, je vois un vampire énergétique, mais pas de sort. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai juste un homme, en fait. Et il a Je vois des plus de la illusions. manipulation par quelqu'un que j'ai qu'un sort jeté, hein. Oh, mon chaton. Il va ressusciter, mon chaton. Demain à minuit, c'est Jésus ressuscité. Alléluia! Alors, Chérine a une autre question. Les filles, s'il vous plaît, encore une question. Mehdi doit venir chez moi demain soir. Cela va-t-il bien se passer? D'accord. Moi aussi, j'étais à deux doigts. Là, cet après-midi, en faisant le chemin de croix, j'étais à deux re quelques reprises de lâcher. Coucou Pichounette. Coucou Pichounette. Coucou Lilia. Coucou Lia. Coucou Sarah. Coucou Sylvie. Oui, ça va très bien se passer. Pareil. Moi, j'ai la clairvoyance et j'ai la force. D'accord.
Monique, tu demandes si tu vas gagner le procès qui aura lieu mi-mai. D'accord. Bonsoir Henriette. Ah, je crois que demain, il y a le changement d'heure, hein. Ah. On avance d'une heure. Ah, ok. Bon, ben, on dormira moins. Ouais. Ou c'est pas si dérangeant que ça. Ça tombe sur férié, donc on a le temps de se. De s'habituer, ouais, tu m'étonnes. Mais je te comprends, mon chat. Hein, c'est, je te dis, j'ai encore refailli lâcher tout à l'heure. Déjà cette nuit, je pleurais pour la crucifixion et tout. Oui, tu gagnes le procès. Pareil, on voit le changement, la clairvoyance et la santé. Donc pour moi, c'est bon. Alors, Aline, est-ce que Christophe a encore des sentiments pour toi? Et si oui, va-t-il reprendre contact avec moi? D'accord. Alors, c'est deux questions en fait. Trop là. Oui, viens mon Simba. Ouf. Pas très Non. bon, Non. non? Ouais, chez moi, c'est pareil, c'est pas très Ouais, il bon, hein. revient pas. Non, désolé. En plus, il est né le 17-12 comme moi. Je suis née le 17-12. Attention, Simba, s'il te plaît. Attends, mon Simba. Alors, coquin, allez, viens. Voilà. Viens, petit cul, viens. Voilà. On voit juste le bout de ta queue. Coucou, le coucou. Ah, alors en plus, elle est jolie, hein, elle est tigrée. Ils sont Mais beaux, hein, ils sont magnifiques. Hein. il sait qu'il est beau, ce coquin, hein, mon bébé. Montre-le pas comment il est. Attends, viens voir. Enfin, s'il est à côté de toi. Hein. Attends. Oh, il est trop beau. Bonjour, toi. Mon gros bébé. Oh, il est trop beau! Il a de C'est un ses gros bébé, maman. yeux! Oh, oui. Oui, c'est Il un est beau gros dans bébé, maman. Avec ce regard le hypnotique. Ah, mais grave! Il est trop mignon! Ah, oh, comment je kiffe les chats! Ah, c'est un gros bébé. Ah, pitchounette, bah oui, je suis née le 17-12 aussi, moi. Oh Ah, c'est noté. Ha merde! ha. Ah, il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Et toi, c'est quoi ta date de naissance? Le 20 août. Et pas les Ah, c'est noté! rites. Pas les rites le 15 juin. Le 20 août!
Bon, en fait, c'est comme mon ancienne meilleure amie, elle est aussi du 20 août. Eh ben voilà, t'as de nouveau une du mois d'août. Viens mon Simba, viens, viens mon petit cul, viens. Viens là. Allez! Coucou Pierrette! Oups, voilà. Oh, c'est mignon, merci. Oh non, hein, ça bug pas, hein? Reste comme t'es, hein. Alors, Anna. est-ce que ma fille Céline, infirmière, est-ce qu'elle va s'en sortir financièrement? D'accord. Oui, mon bébé. C'est pas vrai, les cartes, hein, c'est... Ils n'ont pas envie aujourd'hui. Je ne louperai pas non plus mon chat, mais ça, tu me connais. Tu sais que quand j'envoie des colis, ce n'est pas de la blague. Oui, n'aie pas peur de la taille du colis, hein, Dorothée. Il hein, faut que tu prennes l'habitude. Hein. Demande à Chantal. Parce que je vais penser à tes chats aussi. Eh oui. Oui, c'est positif, elle va s'en sortir. Coucou Manolita, comment tu vas ma belle? Alors, effectivement, on voyait que c'était chaotique, mais on voit qu'elle va s'en sortir. Et en plus, grâce à une personne. Donc, on voit une personne qu'on ne sait pas trop qui c'est, mais elle va s'en sortir, il y a la main tendue. Voilà. C'est plus des colis, c'est des convois. MDR. T'imagines, j'ai un gros camion qui arrive. Bonjour. C'est bien vu, c'est bien vous, Dorothée, Miam Miaou. Oui. On a des colis pour vous. Muriel, tu nous demandes si tu vas bientôt recevoir une somme d'argent. Tu attends un héritage, quelque chose? Alors, je rappelle qu'il y a un appel au don pour la maman d'Aliénor pour qu'on lui offre une gerbe en notre nom. Je vais refaire parce que je le dis bien. Alors, Oui, mon Simba, tu ronronnes, mon bébé. Oui, mon fils. c'est positif. Bonsoir Martine. Bonsoir Martine. Non, je vois pas une somme arriver, je vois non. Je vais pas te mentir, hein. Oui, Joël, Sagittaire, oui. Moi, je suis Lionne ascendant Verseau. Coucou Manolita. Alors moi, j'ai aussi un petit blocage. Ça pourrait le faire, mais il y a un blocage à quelque part. D'accord. Regarde, tu vois là, je vais te le montrer comme ça, tu le sais Ouais. aussi. Tu vois là, t'as l'homme et le crapaud. Et en fait, l'homme devient le crapaud. Donc, c'est pas bon, il faudrait qu'il soit à l'envers. Oups, il faudrait qu'il soit à D'accord. l'envers, en fait, pour que le crapaud devienne l'homme. Alors, Barbara.
Je travaille à la mairie, je suis en vacation et mardi matin, je passe devant un jury pour un CDD dans les écoles. Est-ce positif? Alors, D'accord. Coucou Fleur. Mais oui, Sarah, tu peux, tu connais maintenant, bien sûr. Alors, c'est pas très positif tout ça. Ouh là là. Non, je suis désolée, Barbara. Ouais, moi j'ai quand même des dés qui sont pas. J'ai comme l'annonce en fait. La main dans les poches. J'ai le nom, le fameux nom, le château fermé. Et comme les points liés. Ouais. Alors. Le grand-père à côté de Jésus? Il n'y a pas de grand-père à côté de Jésus. C'est qui dit ça? Ben, je sais pas, un nouveau pseudo, mais bon, je surveille de près. Coucou Lily. Coucou Alors. Lily. Bonsoir Davina. Ah, de Padre Pio? D'où tu traites Padre Pio de grand-père, toi? Tu vas voir. Ta tête là. Non mais oh. N'insulte pas Padre Pio, hein, ça va mal aller. Hein. J'ai Alors pas là. compris, j'ai pas compris la question à Lily. Alors je pense qu'elle veut savoir si on appelle, à mon avis, le jugement va changer. Je pense, moi, je le perçois comme ça. Hein. Lily, tu nous confirmes, s'il te plaît, ma belle? Coucou Doum-Doum. Coucou Doum Doum, comment tu vas? Merci ma belle. Bon, je vais la poser comme ça, on va voir, hein. Alors, Ah oui, le troll parlait de Padre Pio, là, le logo de la chaîne. Ah oui, d'accord. Ok, oui, je comprends mieux. Grand-père, je vais t'en donner du grand-père, moi. Tu vas voir. Le grand-père va te foutre un retour karmique. Tu vas pas t'en remettre. Merci pour Aliénor Ingrid. Consultation gratuite avec moi. Alors, moi, je vois que le procès va aller dans ton sens, Lily. Voilà, les choses vont tourner en ta faveur. Ouais, moi c'est pareil, j'ai les petites bulles, c'est positif.
l'annonce. Et en plus, ça les sous il y a des questions qui se posent, mais pour moi, c'est positif. Coucou Anderson. Coucou Anderson. Alors Sarah, est-ce qu'on te voit avoir deux travails en même temps? Dans pas longtemps, j'ai une opportunité à côté de mon travail actuel. Merci, d'accord. Attention à ta santé, Sarah, n'en fais pas trop, hein. Non, mais c'est génial, Ingrid, ça me touche beaucoup. Tu me téléphones, Oh, voilà, vous me téléphonez pour votre rendez-vous, hein. en tout cas, chez moi, c'est positif, hein. C'est même Ouais, mais hyper positif. moi, je m'inquiète pour sa santé, je ne veux pas qu'elle tombe malade à force qu'elle Ouais, faut travaille faire trop. attention avec les énergies, hein. Ouais. N'essayez pas toutes de travailler à fond. Prenez bien soin de vous aussi. Ouais. Alors. Ah oui, c'est grandement positif. Je te rejoins. Ouais, C'est alors grandement déjà, positif. on voit l'argent, le Je petit prends château juste mes avec les petites médicaments. bulles, Ouais. on voit le soutien, et en plus la baguette magique, donc hyper positif, Ouais. mais vraiment très positif. Alors, donnez-moi juste 2 minutes. Vas-y, il n'y a pas de souci. Bon, moi, whisky d'art. Hein. Da. Très bon whisky. Venir Mulhouse, moi, t'apprendre à boire vodka, tu vas chanter dans ces russes après. Oui. La Yaya. la 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 la. Ça va faire comme de Rocky. Et si vous avez changé, et si j'ai pu changer, tout le monde peut arriver changer. Ouais. Alors. Oui, Sarah, mais en ce moment, on a quand même des énergies qui sont très lourdes, donc il faut quand même faire attention à la fatigue. C'est surtout ça qu'on essaye de faire comprendre, c'est de se reposer un peu plus. Moi, c'est pareil, j'ai trois travails et j'essaye de faire attention quand même, hein. Poupou, tché, moi de trouver encore meilleur vodka, là. Voilà. Moi, très gentille. Moi, pas problème, on te donne macaroni. Oui, on te La donne vodka, elle n'est macaroni. pas censée être blanche. Vodka amélioré, spécial amélioration russe. Avec du vin dedans. Je te jure. Alors, attendez, je range juste ça. Voilà. Ça y est. On va mélanger l'alsacien avec le russe. Da. Ça doit donner quelque chose, hein? Il donne. Yo. Nous, on est très gentils, Poupouda. Pas problème, toi, les colères. Pas bon colère, système nerveux atteint. Après, Bobo, tu peux plus boire et chanter. Doucement, colère, doucement, pas besoin. L'autre nullos, nul. Comment il dit un taxi, on va te livrer Voilà, c'est ça. Macronus. On va le livrer en colissimo, hein, le Ouais, plus tu mets rapidement possible. 5 minutes chrono. Alors, Sylvie, vas-tu faire une rencontre sentimentale? Ok, ma belle.
Alors. Nous donner champagne à tous, donner vodka à nous. Voilà, c'est ça. Alors, non, pas de rencontre dans l'immédiat, pas tout de suite. J'ai pas dit jamais, hein, mais pas tout de suite. Voilà, exactement, ça ne sera pas maintenant. Moi, j'ai pareil, pour l'instant, il y a encore le passé, il y a beaucoup de choses. Et qui sait, peut-être Boruse venir vers toi. Voilà, Voilà. grande camaraderie, Occupe-t-il, gentil. cherchez Borus, Oui. à côté de Poupou. Alors, Mamounette, bonsoir. Est-ce que ma fille Juliette va vendre son terrain à bâtir suite à une séparation il y a 2 ans? Ah, d'accord. Ok. En plus, je sais la gerbe que je vais offrir à Aliénor. Elle est trop belle. Je te donnerai les détails en privé. Ouais. Elle va être magnifique. Oui, à la vente. Oui. Ah, moi, c'est pareil, hein. J'ai une belle signature. J'ai également ben la paix. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment que du positif. Alors, Corinne. Bonsoir à vous deux. Ma fille Maëlie va-t-elle réussir son examen de permis de conduire? D'accord. Alors, oui, sans Moi, c'est problème. pareil. J'ai du positif, alors faudra vraiment qu'elle mette du sien. Si elle veut vraiment y arriver, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'elle mette du sien. Qu'elle le fasse avec sérieux. Ouais. J'ai tout le temps des bugs, hein. C'est chiant, hein. Mais je pense qu'on signale ma chaîne parce que je passe de 60 à 44 vues. Voilà, il y a trop. C'est bizarre en ce moment. Ouais, là, c'est vraiment à chaque fois sur l'autre truc, j'arrive pas, à chaque fois ça bug. Bonsoir Florence. Je comprends pas pourquoi signaler, ça sert à rien en fait. Ah, oh ben c'est des jaloux, hein. Parce que même si vous signalez, on sera toujours là, donc il n'y a rien qui va changer, hein. Voilà.
fait rien d'illégal, donc Bien sûr. voilà, faites-vous plaisir. On est quand même là. C'est con, hein. C'est con. En plus, j'ai des relations spéciales avec la Russie, donc je ne suis pas prête d'être détrônée, Dorothée, non plus. Voilà. Voilà. Parce que Poupou, pas plaisanter, bazookade, hein? Grosse bazooka. Il rigole pas. Faut pas attaquer la chanteuse de Poupou et son ami. Non, non. Bazooka. Plus Kalachnikov, là. Alors, Pitchounette, vais-je avoir bientôt des visites pour ma maison? Un peu calme en ce Calme en moment. ce moment. D'accord. Non, Poupou, pas rigoler avec ça. Non. Bazooka Kalachnikov. Oui. Là. Il va vous apprendre à signaler. Tu vas voir. Bonjour à toutes et à tous, la démocratie a gagné au Sénégal. Ah. Finalement été élu, les élections sont en mars. Génial. Donc le Conseil constitutionnel il y a une cause absolument sur tout. C'est vraiment le pays qui fonctionne démocratiquement en Afrique. D'accord, impeccable. Alors. Au fait, ma papillon, j'ai ma fille qui crée des chouchous. Si t'aimes bien mettre des chouchous dans les cheveux, Ah bah oui, elle j'adore ça. fait différente et elle l'a créée avec en faisant du crochet. Yeah, c'est mignon. Elle m'en a fait deux à moi. J'ai trouvé ça trop mignon. Oh. Donc si t'en veux, bah, tu lui dis, elle peut t'en faire. D'accord, sans problème. Oui, c'est un peu calme, mais ça va reprendre au mois d'avril, Pitchounette. Moi, c'est pareil. Là, j'ai la sérénité. On retrouve la sérénité. Il y a une signature. Et là aussi, on a à nouveau le château avec les bulles. Et le château, enfin, on va dire la tour devient la maison. C'est ça, ma belle Ataxi. Moi, en plus, j'adore les chouchous. Moi, je suis pareil. Alors, Lia, vas-tu te plaire dans le nouvel emploi qu'on t'a créé? Alors, par contre, je vais juste redonner mon numéro de téléphone. Ah Vous prenez le oui, numéro mais moi je le prendrai 91.1 plus tard. 97 21. Voilà. Pour les consultations, hein. Alors. Vas-tu te plaire dans ton nouvel emploi? J'ai essayé le crochet, j'ai abandonné, j'arrivais même pas à faire le nœud. Alors oui, Lia, c'est positif pour moi. Alors pour moi, c'est pareil, mais il y aura quand même des petites difficultés. Je vois quand même, bon, il y a la sérénité, mais on voit les petites montagnes avec le soleil qui cache derrière, donc il y a des petites difficultés quand même. Viens ma Clémentine, oh là là, viens mon agrume. Oh bah oui. Dieu. Waouh, Clémentine, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Clémentine, c'est une rousse? Oui. Oh, j'adore en plus. Et ma fille. Oh là là. Clémentine, elle est trop mignonne. On est belle, hein, ma fille. Oh bah oui. Hein. On est belles toutes les trois là.
En plus, elle regarde bien et tout, hein. Ah oui. Pas mal. Moutsi, maman. Moutsi, maman. De rien, Lia. Yo, Mikala. Yo. Moutsi, moutsi. Mikala. Elle est vraiment trop belle. Ah oui, oui, oui. Et puis elle vraiment, on voit qu'elle est maigre, hein, on voit que ah ça oui. va pas, tu les martyrises. Hein. Et moi, pas oh donner manger, et moi, taper chat 24 heures sur 24, promets-moi. Ben non, attends, on a vu, hein, ils sont vachement bien boudillés, oui. tu vois, on voit qu'ils ont à manger et tout, hein, ah et qu'ils oui. ont plein d'amour. Ah, ça, c'est mes enfants, hein. Bon, oui. Hein. Mais grave, chérie, une vraie starlette. Et je suis fière de le dire, t'es ma fille. Moi, oui, t'es ma fille. Alors. Donc ça, j'ai répondu. Ouais, un taxi. Bisous, ouais, faut me dénoncer hein, pour maltraitance. Hein. C'est plus possible. Manolita, alors. Retour de prédiction, mon petit-fils est de retour à la maison. Ah, merci pour le retour, Manolita. Wow, merci, Manolita. Lily, tu demandes s'il y a un changement d'avocat pour ton fils. Alors, tu as porté plainte comme je t'avais conseillé, Lily? Pitchounette. Elle dit qu'elle appelle les 30 millions d'amis. Ah ben tu m'étonnes, je la comprends. Alors. Ouais, et c'est même mieux. Lily, c'est même mieux qu'il change d'avocat. Pareil. J'ai le bonheur et la main tendue et c'est quelqu'un de bien. Voilà. Pou, 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 notre petit ourson. On attend que tu nous vires, Maxicon. Pou, pou, pou. Et l'on te promet que l'on dansera la polka tout autour de toi. Et franchement, tu peux pas dire non à une polka avec moi et Dorothée. Tu as vu les beautés qu'on est, franchement. Et, regarde-nous. Regarde-nous. Et, oh. La classe ou pas? C'est la classe. C'est la classe dans l'espace. Mais... Alors. Alors, Lily, là, tu nous demandes si l'avocat va être ferme. Alors, là, je te disais, il faut changer. Donc, on va poser la question par rapport au nouvel avocat. D'accord?
Oui, ma Clémentine, elle est là, la ronronne. Elle fait sa star. Ah, ma fille. Bah oui, hein. Alors. Attends, il y a quelque chose que j'ai vu. Attends, je me remets ici. Il faudra bien que je regarde la vidéo, que je visionne de nouveau la vidéo. J'ai vu un homme derrière. Ah, Ouais. derrière toi ou moi? Derrière moi. Faut que je regarde la vidéo. C'est pour ça que je me Alors, suis un peu. Lily, oui. Alors moi, c'est pareil. Moi, j'ai eu positif. Alors, Manolita. Hein? Ben comment ça, elle est sur la Bible? Donc, Alors, dans combien de temps tu vas voir Johannes devant ta porte pour te ch ah, pour ça, me je te chercher laisse faire. une... Je vais faire le cadran du temps. J'en ai en double des cadrans si ça t'intéresse. Des cadrans? Ouais. Ah, moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Je les ai même créés moi-même. Oh, super. Ouais, j'en ai tout plein chez moi à la maison. Mais c'est vrai qu'il Alors. faudrait que je fasse, enfin j'en fais du pendule, mais ça prend tellement d'énergie que je le fais pas. Alors, dans combien de Elle a temps? sorti sa petite boîte de pendule. Dans les 2 mois, ma belle. Alors. Merci Jacqueline, je les ai pris, c'est bon. Alors Sarah, on t'a répondu, hein. Là, il n'y a pas de formule de politesse, donc non. Ah. N'oubliez pas de remercier parce que c'est simple, hein, c'est pas grand-chose, hein. Ouais. C'est un minimum, ça s'appelle du civisme et de l'éducation. Alors, Chérine, est-ce qu'il y a encore des discussions au niveau de ta mutation? Merci beaucoup. Voilà, quelqu'un d'agréable et de poli. Alors,
Oui. Alors moi, c'est pareil. En plus, il y a même une annonce dedans. Mais par contre, ça va mettre un peu de temps, mais c'est positif. Ça va être rectifié, ça, Lily. Ton temps de garde et tout, ne t'inquiète pas. Sois en paix par rapport à ça. Doum doum, ma belle doum doum. Est-ce qu'on te Je voit crois qu'elle est changer de partie. pays? Elle est partie? Bon, on lui Ouais. répond hein, si elle veut voir en replay. Elle regardera en On le replay, fait. Hein. Voilà. Dans 2 ans. Car je bloque pour voir la réponse moi-même. Ah oui, ça c'est normal. alors, Dundun et C'est normal par contre. l'Antia disent sortir. De rien, Manolita. De rien. Elle est gentille, Manolita. D'ailleurs, tout le monde est Oui, gentil. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai une bonne communauté. J'ai pas C'est besoin vrai. d'être 100 personnes. On est un petit groupe comme ça. On est bien entre nous. Moi, Exactement, ça j'adore. suffit, hein. Ça Voilà. suffit. Ah, ça me suffit. Moi, j'adore. On est trop bien. Alors, Ça sert Doum à Doum, rien je ne sais d'avoir pas si tu es 36 encore personnes, quoi, en plus. là. Ouais. De toute façon, si j'avais 400 personnes, là, je ne pourrais pas leur répondre. Hein. Attends, Ah t'imagines l'heure bah à bien laquelle on sûr. Hein. terminera. Exactement. Tu as Alors, dit quoi, toi, pour Doudoum? oui, j'ai dit oui, je la vois partir. Alors, moi, c'est pareil. Il y aura des petites difficultés, mais je pense qu'elle aura une petite main tendue ou je ne sais pas, parce qu'elle aura peut-être des difficultés au niveau financier, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est positif. Alors, pas de questions de santé, s'il vous plaît. Alors, Barbara, tu veux savoir si tu vas rester en vacation infiniment. Alors. Voilà, c'est ça, ma petite maman. On est une vraie famille, exactement. Non, pas infiniment. Alors moi, c'est pareil, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle qui n'est pas très, très catholique. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est lié, où elle est bloquée à quelque part, mais il y a des difficultés, mais on voit quand même qu'elle ne restera pas non plus indéfiniment, quoi. Donc tu vois, sois prudente à ce que Dorothée te dit, ma Barbara. T'inquiète, je suis solide. Oh, merci de t'inquiéter pour moi. Ben, c'est normal, Sarah. Parce qu'un burn-out, ce n'est pas anodin hein, quand on en fait trop. Et puis pour te relever d'un burn-out, alors après, c'est tentant. Oh, c'est horrible. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi, hein. C'est Moi, horrible. mon homme, il le vit. Hein. Il ne s'est pas encore remis. Hein. Tu vois, Oh. il fait des courses, mais c'est comme s'il avait bossé 12 heures.
C'est voilà un. Ah oui, c'est horrible. Là, je sais, il y en a des mots physiques et tout. Ah oui, 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 oui. Il ne faut pas s'abîmer la santé pour un travail, hein, ça n'en vaut pas la peine. Non, mais Chérine, parce que ça me fait plaisir d'offrir une consultation gratuite à ceux qui ont fait un don. Voilà, c'est ma part à moi, en plus du don que je fais à Aliénor. Whisky et vodka, c'est ça, tout à fait. C'est la cata, le burn-out. Oh oui, mon chaton. Oh oui. Là, je te dis, hein, Paul Éric, parce qu'on n'a pas tout pu faire hier. Donc, il est redescendu là parce qu'il me fait une surprise. Il me fait un bon petit plat. Et je ne sais pas ce qu'il me fait, mais il est en train de me concocter un truc. Voilà, donc il allait chercher ce qu'il fallait. Mais comme 12 heures de boulot. Il est revenu, il est en transpiration, blanc. Voilà. Ah non, un burn-out, c'est pas rien. C'est pas rien. Mmh. Moi, je l'ai vécu pendant 4 mois. Alors, Laurence, est-ce qu'on voit un changement de travail prochainement? Alors, on va voir ça. Hé, hey, ma chouquette! J'ai bébé d'amour! Ça met un peu de temps. Ok. Fais bisous à tout le monde. Hein? Fais bisous. Oh. Oh. C'est la pépette? Ouais. Oh, ah, elle est trop belle. Ma chouquette. Voilà, bien. Elle est trop mignonne. Oh là, oh là. Arrêtez de signaler, si c'est ça, arrêtez de signaler, punaise, il y a des bugs, mais c'est ouf. Malédiction à tout ce qu'il y a, au Jésus et du roi Salomon. Voilà. Ah, c'est cette malédiction de Dieu pour vous. Non, mais quand même. Je ne sais pas si chez vous ça bug, mais en tout cas, chez moi, à chaque fois, ça bug là. Mais oui, ma chouquette. Oui, tu vas être à côté. Tu n'aimes pas être portée, je sais, mais je voulais te montrer, ma belle. Mmh. Petite chouquette. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ça fait comme un robot. Mmh. Tu vas te régaler tout à l'heure. Ah oui. Toujours avec mon homme. Moi, j'ai bien mangé, moi. On a de la chance parce qu'on aime le plat les uns, l'un de l'autre. Voilà, on a des cuisines différentes, mon homme et moi, et on apprécie nos repas mutuellement. Oh, c'est bien ça. Ah, bah, c'est comme mon conjoint, c'est pareil. Mais pour Pâques, là, je vais lui faire une surprise, je vais le servir au lit. J'ai quelque chose dans ma tête et je vais le servir au lit, bien chouchouté. Oh, attention, hein. Bon, je vais enlever mon serre-tête là parce que depuis tout à l'heure, là, j'ai mal à la tête. Ouais. À force, ça fait mal. Ah ouais, ouais. Alors, moi, oui, ça fait super mal. Pour le changement de travail, moi, oui, ma mounette, Laurence. Alors, moi, c'est pareil, ça va mettre un peu de temps, mais pour moi, c'est très positif. Par contre, il faut juste faire attention à l'entourage. Il va être gâté, Paul Éric. Ah bah oui, hein, c'est normal. Alors, Lily, est-ce qu'avec David, vous allez bientôt vous retrouver? Mais tu poses les questions que tu veux, ma chérie. Hein, ce n'est pas limité. Hein. Oh. Ah, c'est une bonne idée, hein, mon chéri.
Puis je vais lui mettre un petit film sur le Roi Soleil. Voilà, il va être content. Alors, oui, ma Lily. Alors, moi, c'est pareil. Il y a juste un petit peu de questionnement de son côté. D'après ce que je vois, il y a des questionnements, mais sinon, c'est positif. Il va être bien, notre Paul Éric. Ah, bah oui. Martine, est-ce que tu vas vendre ta maison? Ah. Oui, mais pas dans l'immédiat, hein, Martine. Moi, c'est pareil, mais c'est positif. Oui, juste un peu de patience. Allez, un petit coup de vodka, là. Attends, moi, j'arrive. Hein. J'arrive tout de suite. Hein. Ouais. Allez, juste ma petite caméra. Je ne sais même pas comment on fait. Ah, voilà. Voilà. Alors, Chérine, pour la mutation, oui. Hein. Alors, Lia, on t'a répondu. Coucou, Aliénor. Coucou, ma belle. T'as encore eu des dons pour ta maman. Hein. Elle va être belle, la gerbe. Alors, Sarah Sokoul. Est-ce que ma situation financière actuelle va s'arranger? Je suis dans le rouge, mais bon. Ah. Oh. C'est compliqué hein, financièrement maintenant. Hein. Ah, vodka là, whisky là. Oui, ça va s'arranger, ma belle. Moi, c'est pareil. On voit les difficultés, mais ça va être long, mais ça va s'arranger. Bonsoir Lorenzo. Coucou Lorenzo, comment ça va? Kouka, Kouka.
Coucou, c'est Syrah. Alors, Cléo, n'est gentil. Non, chérie, ça va bien se passer ton rendez-vous, on te l'a dit. Ne t'inquiète pas, ma belle. Non mais je ne sais pas si tu as vu le prix des œufs de Pâques. Oui, oui, oui. Oh, Non, mais. on a voulu prendre pour la gamine et quand j'ai vu les prix, j'ai dit non mais c'est abusé, ils veulent carrément que... Et les petits paquets comme ça vaut 5 balles. Ouais. Non, mais ils Mais sont malades. qu'est-ce Ils qui se sont mettent en malades. bouteille? C'est hallucinant. Alors, Muriel. Mon fils Vincent est désespéré de ne pas avoir de réponse positive pour son stage qui débute le 15 cap. Merci à vous. Ah, tu veux qu'on voie? Ok. Y a ma chouquette, viens. Y a ma fille, viens. Viens. Alors, mon petit chou. Ouais, ça a abusé. Ça a abusé le prix du chocolat. Exactement, à taxi. Et en plus, c'est même pas de la marque. Il va l'avoir sa réponse positive, Muriel. Moi, c'est pareil. Avec le temps, on a du temps quand même, mais là, on a ce qu'il faut. C'est vraiment très positif. Ah ben oui, le 15-4, c'est pas encore. Oula, Fleur, tu me poses une question là. Est-ce que HL est pédophile? Oula. Bon. Bon, on va essayer, hein. Mais par contre, on n'a pas ton prénom et ta date de naissance, alors ça va être compliqué, hein. Donne-nous ton prénom, ta date de naissance, Fleur, avant qu'on y réponde. C'est ça, chaton, c'est pour les enfants surtout. C'est vrai que nous, adultes, voilà, on se raisonne, mais. Mais oui, en plus, oui, joyeuse Pâques à tous. Alors, on va attendre Fleur qui donne sa date de naissance. Oui, trop cher et certains parents ne peuvent pas les... ne comprennent pas eux. Et ta date de naissance, Myriam, elle s'appelle Myriam. Ta date de naissance, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, hein. Même les prix des jouets, tout ça, c'est hors de prix, quoi. On va faire comme dans l'ancien temps où tu jouais avec des cuillères en bois.
Tu m'étonnes. Alors, elle est née le 30-12-79. Ok, alors. Ah, en 79 comme moi. Et en plus du mois de décembre aussi. Mmh. Bah, alors, pourquoi c'est fait tomber comme ça? Rien que d'avoir vu ça. Regarde. Ouais, ouais, ouais. T'as tout compris. Ouais. C'est confirmé. Oui, Myriam. Alors, Véronique, t'es chère. Vas-tu rester où tu travailles actuellement? Là où tu travailles actuellement. Ok. Oui, pour le moment, tu restes. Hein. Je ne vois pas de départ de ton boulot. Pareil pour moi. Oui. C'est pareil. Alors, Anna, tu demandes si ton mari va s'en sortir financièrement. Davina, tu avais raison pour le travail. Merci, Fleur. Oui, Anna. Moi, c'est pareil. On a la paix. Par contre, on sent que ton mari était un peu triste parce qu'on le voit, il paraît un peu bien, mais au final, derrière, il n'est pas très, très bien, quoi. Et là, on a le bonheur et on a la tour qui devient la maison. Donc, pour moi, oui, ça va s'arranger. C'est positif. Alors, Ghislaine, est-ce que ta fille va retrouver un travail?
Bonne nuit, Pichounette. Bonne nuit, Pichounette. À bientôt. Oui, assez rapidement d'ailleurs. Ouais, pour moi, c'est pareil. On a le temps quand même, mais pour moi, il y a des questionnements, mais le crapaud devient l'homme, donc pour moi, c'est positif. On a même une demande, annonce. Oh, Sarah, bravo! C'est gentil pour la personne. Oh, ça c'est beau, Sarah. Mmh. Alors, Corinne. Est-ce qu'on voit une rencontre sentimentale sérieuse? Pas pour le moment. Alors moi c'est pareil, pas pour le moment, mais ça va être positif. Petit comité, beaucoup mieux, je confirme. Ah oui, c'est clair. Au moins on est entre nous. Il y a ma chouquette. Alors, Marie, donc tu es née le 26-89. Est-ce qu'on voit un changement d'entreprise bientôt? Oui, pour moi. Pareil pour moi. On voit le temps encore une fois, mais pour moi, c'est positif. Il y a même une annonce. On va lui faire une demande.
Alors, c'est Syrah. Et Giuseppe est amoureux de moi et aussi. Alors, on fait déjà les questions voyance. Donc, est-ce que Giuseppe est amoureux de toi? La médiumnité, c'est après, là, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. Passer. Gislaine. Non, je suis désolée, c'est Syrah. Bisous Corinne. Alors moi c'est pareil parce qu'il y a comme le passé encore, il y a quelque chose qui est encore lié. On voit encore le passé, là c'est pareil, une personne assez triste, joyeux devant mais triste derrière quoi. Donc ça, on l'a Bisous fait. Mandela. Coucou Mandala. Alors, Aline, est-ce que tu vas faire une rencontre sentimentale constructive bientôt? T'es née le 7-6-71. Oui, ma Cléo. Oh, j'ai agrume, oh oui. Oh là là, la fille à maman, ça. Tu surveilles de près, hein, ce que maman fait, hein, oui, hein. De rien, c'est Syrah. Oui, Chouquette, viens. Alors, oui, pour la rencontre, mais pas tout de suite, tout de suite. Tu vas pas attendre Pareil. 2 ans, mais voilà, ça arrive. Pareil, on a des questionnements. On a pour l'instant, ben non, pas tout de suite. Et après, on a la sérénité, donc c'est positif. Et après, bah, le crapaud devient l'homme, donc du coup, très, très bon. Alors, Sarah, est-ce que tes patrons actuels vont-ils accepter de me faire travailler que 2 jours par semaine? Comme ça, je travaille. Bah oui, puisqu'on t'a dit que tu aurais les deux. Donc, Moi, je forcément, pense ça que ça peut va se s'arranger, oui. Quoi, une alerte à la bombe dans la grotte?
Pardon? Mais c'est une blague? Non, mais même chez nous, hein, il y a nouveau des alertes à la bombe, hein, d'après ce que ma fille m'a dit. Hein. C'est reparti pour un tour. Hein. J'avais prédit les attentats. Ouais, moi aussi, je l'avais prédit, les attentats. Et c'est pas tout, il y aura même une catastrophe naturelle aussi dans la France, en fait. Ou je ne sais pas, mais il y aura aussi des catastrophes naturelles. Et hier, on avait des grêlons, mais laisse tomber. De ces grêlons qui sont descendus chez nous. Un truc de fou. En soi, ça me ferait quand même l'époque à la note éliminatoire et 7. Donc ça, on a De rien, répondu. Sarah. À la grotte de Lourdes, non mais je rêve. Ils vont Là jusque-là. Punaise. là, c'est grave quand même. Pourriture. Alors, Lorenzo, est-ce que vous pouvez me dire pour mon assurance qui m'a pas indemnisé malgré que cette fois-ci, ils ont tout pour mon dossier soit complet. Donc, est-ce qu'ils vont t'indemniser? Alors. Oui, il y a une indemnisation, hein, Lorenzo. Alors moi c'est pareil, j'ai du positif. Alors ça va être sur les difficultés en fait, parce qu'on voit qu'il y a les difficultés, mais pour moi c'est positif aussi, parce que le crapaud devient l'homme, donc c'est bon. Magnifique. Walou. Et les grands œufs de Pâques Kinder, 20 euros. Ouais, non, mais c'est... non, mais allô, quoi. Même à ma maman, je voulais lui offrir un beau pack et tout. J'ai dû lui offrir un tout petit truc comme ça parce que ça coûte tellement cher. Hein. C'est ouf. Alors, Laurence, tu demandes si tu vas avoir une prime. Et apparemment, c'est au bon vouloir du chef. Ouf.
De rien, Lorenzo. Alors là, il faudra qu'elle te réponde, du coup. Il demande dans combien de temps, c'est ça? Oui. Non, tu n'as pas la prime, Laurence. Je suis désolée. Et moi, c'est pareil. En plus, j'ai des trucs optiques. C'est pas bon. Alors, Lorenzo, je vais te dire dans combien de temps. Trois semaines maximum. Alors, ma sœurette, ma fille Marlène va-t-elle définitivement être embauchée à la crèche? Aura-t-elle un poste à responsabilité? Merci les filles. Et donc, elle est née le 24-5-98. Mais tu nous embêtes pas, Lorenzo, on comprend, hein? Simba. Il est plus grand que Chouquette d'au moins trois fois et elle lui saute dessus. Elle se laisse pas faire, la petite. Coucou, paradise. Coucou. Bah oui, c'est long. On a tous une limite à notre patience. Hein. Ah bah oui. Hein. Simba, le roi de la Savoie. Simba, le roi de la Savoie, le petit Simba, l'héritier. Alors. Oui, mon Aliénor chérie, j'espère que tu es là et que tu as entendu la réponse, sinon je te répondrai en MP. Moi, c'est pareil. Il y aura encore un peu de difficulté, un long petit chemin, mais sinon, c'est positif. On va commencer la médiumité tranquillement. Ouais. Hein? Je vais juste prendre un crayon vite fait. J'arrive. Mon amour, je peux te demander de l'aide? Ouais, mais j'ai besoin de toi. Mon crayon. Ah, d'accord, mon Aliénor chérie. Alors, il y a un cahier là, mauve et noir. Ici. Ah, il est là. Et juste un stylo. Alors, donc moi, je dois vous dire que j'ai un Pierre qui est là depuis cet après-midi avec moi. Donc, Pierre.
Ben, pourquoi pas la semaine prochaine, Lorenzo, si vous voulez. Ou dimanche soir. Ça vous dit dimanche soir avec Padre Pio? Tu me diras si tu es dispo. Bisous, Sarah. Alors moi, j'ai une Martine qui dit, je t'aime et je vais bien. Pierre dit, ne t'inquiète pas pour mon chemin. Oui, si Lorenzo est dispo pour Padre Pio, oui, bien sûr. Parce qu'il a demandé, alors je le fais le jour où il est là. Alors moi j'ai Marie, ne pleure pas, je suis là. J'ai une Angela qui est là. Angela. Alors moi, j'ai un Robert qui parle de ses clés sur la table. Il disait qu'apparemment, il oubliait tout le temps ses clés. C'est un Robert. Alors peut-être que c'est... Ah tiens, on bug. Trois lives de retard, mon Lorenzo. Mais ça te va dimanche alors ou pas? Tu seras dispo? Alors, est-ce qu'Angela, ça parle à quelqu'un? Et Pierre? Moi, c'est pareil, Martine, Marie et Robert. Enfin, il y a un message qui est adressé à Marie. C'est ta sœur, qui est ta sœur, Cerisa? Cécira, pardon. Ah, Angela, c'est ta sœur, d'accord. Voilà, donc elle te dit qu'elle va bien, qu'elle est près de toi. Et elle va te montrer plus de signes de sa présence. Plus que je le fais, plus que ça devient clair, ce que je reçois. C'est impressionnant.
J'ai un Jacques. Alors moi, elle me dit Angela, hein, mais c'est confirmé que c'est pour toi là. Non, c'est pas trop tôt, mon Aliénor. Elle dit qu'elle est partie en paix. Et si tu veux avoir un contact défunt complet avec elle, tu peux le faire avec moi. Il n'y a pas de problème. Gratuitement, évidemment. Oh non, pleure pas, Cécira. Elle va bien. Notre voisin s'appelait Jacques. Ah, donc c'est pour toi, ma belle. Je vois que c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui souriait beaucoup, Jacques. Il aimait la vie, la bonne bouffe et la bonne musique. Aliénor, tu vas ravoir des signes. Alors, donc du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une Martine ou alors un Robert ou Marie qui aurait peut-être perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup? Par contre, j'ai un beau message. Je l'ai reçu comme ça. J'ai la vie est tellement précieuse qu'il faut la préserver. Ne soyez pas dans la colère, acceptez les difficultés pour que les choses soient plus faciles à vivre. C'est ce que j'ai reçu comme message. Mais elle est en paix, ma sœurette. Elle est en paix. Voilà. Et le contact défunt, c'est quand tu veux. Faut juste que ce soit un soir. Voilà. De rien. Depuis tout à l'heure, j'ai cette personne. J'ai Laurette ou Lauretta. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Ah. Christelle posée en paix. Tiens, c'est une belle Alors, juste phrase. une minute. Je reviens tout de suite. Oui. Mais puisse-t-elle reposer en paix? C'est beau. J'ai une Chantal. Dorothée, tu as un homme protecteur derrière toi, ma sœurette. Ah. Oui. Je pleure de ce message, mon Dieu, que c'est dur, même si je sais qu'elle est sur un autre plan de vie. Bonne nuit. Oh, mon Aliénor. Là, moi, j'ai une Marie-Rose.
Alors, maman, pour Tiffaine. Ah, Laurette. Ah, mais c'est incroyable. Aliénor, alors je ne sais pas si je dois vraiment le dire comme ça, mais Laurette, elle dit, puisse-t-elle reposer en paix? C'est bizarre, hein, j'ai eu ce message. Alors, ta grand-mère, maman, me dit de te dire qu'elle est extrêmement fière de toi et que tu es aimée particulièrement du Christ. Je ne passe pas de la pommade, hein, c'est vraiment comment elle le dit. Hein. Est-ce que quelqu'un a connu Lorenzo. Marie-Rose? Est-ce que j'aurai le message de Tiffany? Ben moi, tu vois, c'est grâce à Dorothée que je le fais, Lorenzo. Elle m'a encouragée à développer encore plus mon don et à l'exprimer. Je lui dois énormément. Par contre, si quelqu'un peut m'aider dimanche à lire les questions pour le contact des fans Padre Pio, ce serait génial. Voilà, pour que je reste bien connectée à lui. Alors moi j'ai un Pascal. Et moi, une Chantal qui attend toujours. Mais de rien, maman. Et encore une fois, ce n'est pas pour te faire plaisir, hein. Elle a dit textuellement comme ça. Et pareil, si tu veux un contact défunt beaucoup plus long, tu me le dis, maman. Comment s'appelle ta grand-mère, ma Katniss? Ah, Marie-Rose pour toi, ma belle. Aide à domicile. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un bonheur, Lorenzo. Ouais. J'ai également aussi un Pascal. Bonjour Modobi. Ah, c'est pour Katniss, Pascal. Ah. Chaton, est-ce que tu Bon, avais Pascal, il va quelqu'un? bien. Pardon. Est-ce que tu avais dans ta classe quelqu'un qui s'appelait Valérie? Pas dans l'une de tes classes. Valérie. Non? Ah. Alors, est-ce que c'est son deuxième prénom, peut-être? Moi, j'ai une Pierrette. Reine Denise. Ok, alors est-ce que... Si ça parle à quelqu'un. Elle demande pardon. Elle t'envoie plein d'amour, Katniss.
Ah non, mais vous abîmez pas les mains pour moi. Hein. Les pauvres. Oh. Je suis dans une bulle d'amour là, c'est impressionnant. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Chouquette. Alors, c'est comme j'ai dit, j'ai une Pierrette qui demande pardon. Personne connaît? Chaton. Mais non, mais vous faites pas mal au pouce, hein, mes amours. J'ai une Florence. Morte dans un accident de voiture, elle me dit. Bonne nuit, ma chérine. À dimanche soir et dimanche après-midi. Bisous, bisous, bonne nuit. J'ai beaucoup de C'est vrai. Ouais. Là, je te vois bien, ma belle. J'ai énormément de bugs. On arrête de signaler, merci. Ah, Pierrette pour maman. Quand elle Ah, travaillait, elle sent... Voilà, Pierrette pour maman, pour Joël. Pierre, je travaillais, mais on s'entendait très bien, ne m'a fait aucun mal. Oui, mais elle demande pardon peut-être de son côté, je ne sais pas. Hein. Peut-être par rapport à sa famille ou je ne sais pas. Moi, c'est ce qu'elle dit. Hein. Pierrette, elle me dit, elle demande pardon. Non, Katniss, il n'y a pas de souci. Tu l'as fait avec le cœur, le chapelet, donc il n'y a pas de problème. Après, j'ai une Christiane aussi qui dit je t'aime. Ah, Sylvie, tu nouvelle abonnée, Marie-Rose, c'est pour elle. Ah. Tain, on est au taquet toutes les deux, t'as vu ça? Ouais, mais grave. C'est beau, hein? C'est ça qui est incroyable quand même. Alors, moi, j'ai une Christiane aussi qui dit je t'aime. Marie-Rose, j'ai plus du coup parce que j'avais que le prénom et j'avais personne qui parlait. Donc, du coup, j'ai pas pu transmettre. J'ai un Jacques qui est là. Ça, c'est peut-être pour moi. Alors, c'est qui pour toi? C'est un ami à mon papa qui, enfin, un meilleur ami à mon papa. C'est pour ça qu'il te considère comme sa fille. D'accord. Il est décédé en fait, mon papa, et en fait, lui, il l'a suivi juste après. Enfin, on peut pas dire qu'il me considérait comme sa fille, mais il venait beaucoup manger à la maison en fait.
En tout cas, c'est ce qu'il me dit, qu'il te considère comme sa fille et qu'il est fier de toi. Et il est un protecteur. Voilà. Ok. C'est mignon. Je passe pas de pommade, hein. Je dis ce qui est dit. Merci, il y a maman. Qui a Christiane. Elle est morte il y a longtemps, parce que j'en connais une, mais elle est dans mes âges, alors j'espère qu'elle n'est pas morte. Christiane ? Ouais. Ouais. Mais Christiane, mais je sais qui c'est. Bon, en fait, Christiane, je la connais. Ah. C'est pour moi. Elle dit « Je t'aime ». En fait, Christiane, c'est une personne que j'ai connue, c'est une abonnée que j'ai connue il y a très longtemps sur Facebook. Et en fait, elle est décédée et je parlais beaucoup avec elle. Elle était beaucoup donc... plein d'amour. Punaise, c'est hallucinant. Ben, merci, Christiane. Il y a un Marcel. Moi, j'ai une Liliane. Ça te dit quelque chose? Oui. Je connais Liliane, oui. C'est qui pour toi? Elle était l'amie de ma mère. Parce que c'est bizarre, elle dit... Attends. Alors, elle dit que tu dois te faire confiance et de prendre soin de toi. Ça, c'est tout à fait elle. D'accord. Eh ben, merci. Mais de rien. Alors, j'aimerais savoir, et je vois pas avec le cœur. Alors, j'aimerais savoir, car décédée, ma famille ne m'a pas prévenue. Sylvie, c'est pour la personne... Ah, ok. Ah, il y a quelqu'un pour toi. S'appelle Marcel. Mon papa oui, s'appelle mais, Marcel. Oui, mais il est toujours en vie, c'est pas le même. Le papa d'Aliénor est toujours en vie. Heureusement. Bah oui, heureusement. Elle a déjà perdu sa maman, ça va. J'ai une Cathy aussi. J'ai pas de répio qui dit hâte d'être à dimanche, venez nombreux. Ah Lorenzo, tu m'as eu là. Tu m'as eu avec Padre Pio. Oh, j'espère juste qu'on va m'aider pour les questions. Dieu. Oh là là, ça va être quelque chose. Oui, ta maman lui a sauvé la vie, tout à fait, mon Alina. Il m'a entendu, merci Padre Pio. Faut que tu sois là, hein. C'est ta faute, hein. Au pire, je me sens bien. Je m'appelle Cathy, je suis toujours là. C'est pas toi alors. Heureusement que t'es là encore. Ah ouais, non, c'est bon. Là, les décès, ça va, hein, stop. Hein. Ouais.
Mais en fait, j'ai fait ma crise là, tu sais, la dernière par rapport à la maman d'Aliénor, comme je t'ai expliqué, parce que ça m'a chagrinée qu'elle vive ça. Et tu sais, je prends tout à cœur, je. Ouais, mais c'est Voilà. ça le souci, ouais, il faut que tu Ouais. apprennes à te détacher en fait. Ouais, mais j'arrive pas. J'arrive pas quand j'aime, c'est. Voilà quoi. Bah oui, mon Aliénor, mais il comprend, ne t'inquiète pas. Il comprend. Alors, est-ce qu'elle a un Ah. message pour tout me connecter? C'est l'un de tes guides, ma Katniss. Et il t'aime très fort. Il te sert fort contre lui. Alors moi j'ai un défunt mais je ne sais pas qui c'est qui m'a dit c'est bien triste ce qu'il se passe dans le monde, prenez soin des uns et des autres. Ça, c'est pas de répit, ça. C'est ce que j'ai reçu comme C'est pas message. de répit. Ouais, c'est pas de répio, il t'a parlé. C'est pas de répio. J'ai reçu comme ça d'un coup, tu vois. Ah, tu me lâches plus jamais, hein. Toutes les semaines, tu es avec moi. Parce que attention, hein. Moi, je suis collante comme amie, hein. Et encore là, je fais vraiment le strict minimum parce que normalement, quand je fais des séances d'écriture en psychographie, je fais beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que faut quand même qu'on garde une certaine énergie, il faut quand même faire très attention parce que là, on est quand même en live, il y a quand Voilà, même et pas il mal y a beaucoup de de personnes. personnes. Voilà, on est en Voilà. live et il y a beaucoup de personnes. Et il y a Donc, il faut aussi des donner. défunts, peut-être des messages pour les gens en replay. Voilà. Et... Donc ça, il ne faudra pas hésiter à nous le dire aussi, hein. Exactement. C'est pour ça que nous, on donne ce qu'on peut avoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Après, c'est sûr, on ne peut pas avoir 100 défunts qui sont là, hein, ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Mon choix, la crème, comment s'appelle ta maman? Ben moi, je te dois tout, hein. Vraiment, ça, je le dis. Mais je t'ai dit, hein, il faut continuer à développer tes capacités, hein. Les gens, il ne faut Mais tu pas as les toujours cru écouter. en moi. C'est vraiment beau parce que tu as toujours cru en moi. Ah Malgré tout ben ce qu'on oui. a pu dire ou quoi. Ou, Ben c'est ça, mais moi, Et je ça, c'est. n'écoute que mon cœur, je n'écoute pas les autres. Pour ça, je te dis, je suis de la UU, tu te débarrasses pas de moi. Je suis collée à toi. Voilà. Comme une mouche sur le cul d'une vache, comme dirait ton homme. Ma maman s'appelle Nicole. Si tu as un message pour moi, tu me le dis si elle vient. Tu parles de toi? Oui. Ok. Raymond, ta maman, d'accord. Ok. Alors, Raymond, la maman Joël. Ta maman, elle est décédée il y a longtemps, Joël? Ah, alors, maman, elle te dit que tu es la fierté de Jésus. Voilà ce que je dois te dire. Il y a 4 ans. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça, tout à fait. C'est ça. Par contre, Aliénor, ça va être compliqué parce que pour l'instant, on ne Elle peut pas avoir. chemine. Voilà, Ouais. c'est ça. On ne peut pas avoir de messages comme ça qui viennent. En fait, elle va peut-être venir te voir toi. Tu vas peut-être la voir dans les rêves, mais tu ne l'auras peut-être pas comme ça tout de suite. On ne pourra pas communiquer avec. Et c'est pour ça que je te disais un contact défunt privé, parce que comme dit Dorothée, on a d'autres techniques encore en privé, ça se passe encore différemment. Voilà.
Ma Dorothée, Tu es une oui. très belle personne, Davina. Tu absorbes tous les mots. D'avoir Beaucoup. peur, j'essaie d'avancer sans peur. Oh. Exactement, Katniss. Merci, Lorenzo. Ah, mais c'est vrai que ça m'a choquée pour Aliénor. Moi, ça m'a. J'ai tellement pleuré pour elle qu'elle vive ça. Mais en fait, c'est parce qu'on est des personnes qui sont empathiques. Voilà, on est empathes. Du coup, on se ramasse toujours tout. Moi, j'ai appris maintenant à mettre une petite barrière, même si Mais c'est pas parfois, facile, ce n'est pas hein. On en facile. a discuté, c'est pas facile, hein. Exactement. Il y a des fois, il y a des moments quand c'est trop intense, c'est difficile, hein. Puis moi, tu sais, j'ai déjà essayé me disant, je vais être méchante, j'aime personne, etc. Chasse le naturel, il revient au galop, tu parles, oui, tu Mais même quand il y a un petit dessin animé sur une mouche qui va mourir, et je vais pleurer. Alors, Moi, je te pareil, dis, moi, pareil. bordel. Sauf Oui, en c'est encore privé, trop mon tôt. aliénor. Sauf en privé. Pour ça que je te propose ça. Alors, attends, j'ai un message. Il y a une personne qui a perdu un objet de valeur, elle va le retrouver. Mais le défunt ne me dit pas son prénom pour le moment. Alors, laissez-vous guider par votre voix intérieure. Mmh. Sais pas, moi je transmets, on me donne, je transmets. On absorbe comme une éponge, je suis pareil, c'est ça, c'est Syrah. Et mon homme, il est en pâte, mais alors à un niveau, oh là là, il est capable de prendre tout le mot d'un pays sur lui, alors je ne vous dis pas. Donc ça, plus le burn-out, ça fait Fukushima. Hein. Moi, quand je vais faire mes courses à Lidl ou Intermarché ou Super U, dès que je rentre dans le magasin, je ne peux pas rester plus de 30 minutes. Ouais. J'ai un mal de crâne, c'est Parce que tu la captes folie. les ondes. Ouais. C'est ça. Et j'ai beau mettre une protection, j'ai beau mettre les trucs, il y a tellement de gens qui sont, ils sont absorbés, peut-être pas par forcément par des énergies négatives, mais on arrive à prendre tout sur nous, en fait, sans se rendre compte, C'est quoi. ça. C'est ça. Ah, donc c'est pour toi, tu vas le retrouver, ma belle. Tu vas la retrouver. Coucou Edwige. J'ai une Louisa, ça te dit quelque chose? Ou quelqu'un peut-être dans le live? Louisa, Alors, c'est je très connais une joli en Louise, plus. mais pas Louisa. Ouais. Louisa, c'est joli comme prénom, hein. Ouais, très beau. Coucou Et vous êtes Edwige. génial et un amour en or. Merci, Cécira. C'est ça, Aliénor, c'est ça.
D'accord, Edwige, sans problème. Il y a quelqu'un qui aime bien une chanson italienne très connue. Alors, c'est un indice. Merci, Oh, Karine. merci pour les cœurs. Frédéric François. Oh, je t'aime à Je l'italienne. sais pas, c'est quelqu'un qui me dit que c'est un défunt. Il dit que Italienne. cette personne aime beaucoup une chanson italienne qui est très connue. Ti amo. Na, na, Et qui est fan, hein. Je dis qui est fan. mais c'est beaucoup, Edwige. Faut pas dire que c'est pas grand-chose. Donc, tu as une consultation gratuite avec moi. J'espère que tout le monde a pris l'autre numéro. Edwige, ta maman, elle est décédée? Je vais le renoter au cas où. Oui, en 97, elle dit. Ah. Mais elle ne l'a pas beaucoup élevé. D'accord. D'accord, ok. Ah, d'accord, Edwige. D'accord. Ah, c'est pour ça que j'entends depuis tout à l'heure qu'il y a le pardon en fait, mais je n'étais pas sûre. Parce que j'ai le pardon en fait. Cantale, perché ni sono ciego, lasciatemi cantare. Oh, sole mio. Elle a beaucoup à me pardonner, en effet. Ouais, c'est pour ça que j'ai entendu plusieurs fois le mot pardon. Quand tu seras prête, Edwige, ben, tu pourras accepter son pardon. Et elle ira vraiment beaucoup mieux parce que ben, elle continuera son chemin de l'autre côté. C'est important pour vous libérer le pardon. Ça ne veut pas dire oublier la faute de l'autre, mais c'est se libérer parce que rester dans la haine, c'est un cancer de l'âme. Et Exactement. ce n'est pas bon du tout. Mais on t'a parlé de Marie-Rose, Sylvie. Oui, mais le malheureusement, en fait, ah, Marie-Rose, c'était qui avait encore une autre Marie-Rose, je crois. Que Sylvie, elle parle de Marie-Rose et Marie-Rose est venue te voir. Oui, mais le problème, c'est que comme elle n'était pas là, ça n'a pas répondu, du coup, j'ai pas pu donner le message. Quand elle est décédée, c'est de ne pas avoir eu le temps de me venger. C'est pas bien, je sais.
Oui, mais je pense que là, du coup, de l'autre côté, c'est pas la même chose, hein. Là, c'est vraiment le pardon. Il n'y a plus de colère, de haine, de quoi que ce soit. En fait, de l'autre côté, ils cherchent juste à être libre, en fait, tout simplement. Et si tu aurais réussi à te venger, tu ne te serais pas senti bien. Ouais, c'est C'est ça que clair. je dis toujours, même en magie, on parle de justice. Et la justice est différente que la vengeance. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme la dette karmique. Ce n'est pas la même chose que la vengeance. Ma sœurette, est-ce que mon papa est mon Elle me détestait. Oh. Ben, le jour où, tu sais, de l'autre côté, c'est ce que je disais, de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose. Justement, c'est pour ça qu'elle a donné ce signe, pour te faire comprendre que ben, tout ce qu'elle veut, c'est un pardon. Et puis, quand tu seras prête, tu pourras le faire. Il faut pas le faire si tu n'es pas prête. Parce que ça ne fonctionnera pas. Moi, je sais ce que c'est, Non. hein, j'ai droit au même truc, quoi. Par contre, moi, j'ai plus rien du tout. J'ai juste la fatigue qui est là. J'ai plus de messages. Alors, oui, ma Katniss. Alors, les guides, on peut le savoir, mais il faut les faire avec, faut le faire avec le cadran, en fait. Tu l'as le cadran ou tu as les guides? J'entends trois, moi, mais non, le cadran des guides, j'ai pas, mais j'entends Ah. trois. Ouais. Ok, si tu veux, je te le passerai, j'en ai moi. Ah oui, je veux bien. Oui, J'ai donné le pardon à mon papa. C'est important parce que tu t'es libéré, toi. C'est ça qui même moi, compte. j'ai dit pardon à mon papa aussi. Mon papa, parce que j'ai été comme Edwige, j'ai été mis à la DAS. Donc, je sais ce que c'est. Bon, moi, vous connaissez mon parcours, hein. Vous savez que j'ai été battue et torturée. Voilà, donc j'ai eu de grandes démarches de pardon à faire aussi, hein. Ouh là là. Toi aussi, tu es une femme battue. Oui. Moi aussi, je Oui. suis une femme battue. Et ben, il y en a beaucoup. Hein, et c'est bizarre parce que c'est toujours les personnes qui sont très en pâte, qui ont vécu des choses très difficiles, Ouais. extrêmement difficiles. J'ai été violée, torturée, battue. J'ai vécu 4 ans dans la rue. Donc, le malheur, je connais. Ah bah disons qu'on peut se donner la main alors, hein, puisqu'on a vécu presque la même chose. Hein. Vraiment. J'ai mon quota, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pardonné tout ça maintenant. Je Moi suis aussi. fière de ce que je suis devenue, donc je me suis libérée en fait. Et c'est Chaton qui m'a aidé à pardonner, maman, à vraiment lâcher prise. Voilà, et ça, je l'oublierai jamais. Ton JP aussi, ben oui, le pauvre. Vous n'avez pas eu de vie facile, non, non. C'est vrai. Mais bon, là, je suis tombée sur quelqu'un de super, quoi. Ça fait 15 ans que je suis avec et franchement, je regrette rien du tout. Ça peut évoluer, Aliénor. Tu peux avoir certains guides quelque temps, après changer, revenir sur les anciens, tout dépend de ton évolution. C'était un passage libérateur et important et libérateur. Oui, tout à fait, mon chat. Mais j'ai plus Exactement, c'est important de se libérer parce que sinon on n'avance pas et du coup on revient nouveau sur Terre pour refaire nouveau les mêmes erreurs. ça, c'est Donc ça. c'est important de se libérer en fait. Ah, mère ivrogne, Edwige, la mienne, pareil, alcoolique. Elle prenait du Porto dès le matin. Oh là là. Ah oui, moi, je suis Cosette, moi. Ben, tu peux être fière de ce que tu es maintenant, hein, parce que tu n'es Merci. pas du tout devenue ce qu'elle était avant. Donc, Ah non. Ah non.
Donc, tu jamais. Peux être vraiment fier de ton parcours, quoi. Comme je dis, pas de violence. Ici, c'est que l'amour. Hein. Pas de violence, c'est clair. Exactement. Là, je ne passerai pas là-dessus. Tu es née prématurée aussi, comme moi. Et tu sais que les enfants qui sont nés prématurés, enfin, ça dépend aussi de combien, mais c'est souvent des enfants qui n'ont pas été voulus. Voilà. Mais ça dépend aussi de combien, parce que, et des conditions, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir, voilà. Mais dans certains cas, c'est parce que les enfants n'ont pas été voulus. Que de la vodka. Oh là là. Elle m'a fait avec elle et j'étais bleue. Oh là 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 là. Une enfant d'adultère en plus, bah oui. Je dis pas le parcours karmique là. Oh là là. Ah, c'est chaud, hein. Et c'est toutes des personnes, tu vois, qui ont... qui sont très en pâte ou des personnes qui donnent tellement à tout le monde et qui se sont fait beaucoup avoir. Hein, ou qui ont eu une vie qui était très difficile, quoi. Mais c'est bien parce qu'il faut être fier de ce qu'on est maintenant, parce qu'il y en a, ils sont partis en vrille. Hein. Il y en a, franchement, ils ne supportent tellement pas qu'ils deviennent des tueurs en série. Donc, t'imagines quand même le parcours que nous, on a eu. Eh ben, on aurait pu très bien virer au drame, quoi. C'est clair. Tu as beaucoup de mérite, Davina, d'être ce que tu es devenue avec cette vie. Très difficile. Tu es très courageuse. Merci. Bisous, j'essaie. Bonne nuit, mon chaton d'amour. Une belle fin de soirée. Moi, c'est pareil. De toute façon, là, je vais aussi couper, là. Bonne nuit, mon Florian, mon frérot. Bisous, Florian. Ben, je suis née à 7 mois et je suis un accident de l'amour. Polichinelle dans le tiroir quand mes parents se sont mariés. Ah, d'accord. Oh là là. Mon Dieu. Ça, moi aussi, j'ai vécu l'harcèlement. Pareil, quand j'étais jeune, à l'école. Moi, c'était à l'école. Hein. Ouais, moi, pareil, à cause de ma taille. Moi, pas du tout. Moi, c'était à cause de mes cheveux. Et mon nom. Parce que mon prénom, c'est Dorothée. Et à l'époque, c'était toujours à Dorothée, le long nez, machin. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que je me suis fait charmer avec ce truc-là. Tu es petite de taille, Edwige? Tu fais combien, toi? 1m39. Je suis un imbus. Ah ouais, t'es petite. Moi, je fais 1m67. Voilà. On dirait pas comme ça parce que j'ai une grande gueule et tout, mais je suis un petit imbus. Ouais, mais tu vois, tout ce qui est petit est mignon. C'est ce qu'on dit toujours. Moi, battue, humiliée par mon père, j'ai difficile à lui pardonner, il m'a empêché d'épouser l'homme de ma vie. Oula! Oh là là! Ah oui. Et t'as pas eu moyen de contacter ton homme après? L'homme que tu aimais après? T'as eu aucune possibilité? Je lance un appel au secours. On t'écoute, dis-nous. Je reste encore 10 minutes. Ouais, c'est ça, Lorenzo. Bah, on dit que j'ai une belle bouille, alors à force, j'y crois. Bah oui, c'est joli, hein. Dis pas ça, hein. Bah, toi aussi, t'es belle, attends. Oh, avec ta bouille, là, des belles bouclettes, là. T'es trop mignonne. Ouais. Ah ouais, moi, j'ai vraiment des bouclettes. Hein. Je suis frisée, mais grave.
On se demande si j'ai pas un peu de. Un peu des de l'Afrique. Quand Ouais. tu regardes, ouais. Dis-nous, je reste encore 10 minutes, ma belle. Dis-nous ce qui va pas, Sylvie. Si on peut t'aider, Sylvie, faut pas hésiter. Oh, Aliénor, 1,75 m. Oh, elle est grande. Mais Waouh. grave. Je vais Donne-moi mettre 5 ça à ma centimètres, s'il vue. te plaît. Mais non, faut pas. Oh, mais Non, 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 je... non. Oh, non, pitié. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai marqué tout à l'heure? Je vais le relire. La vie est tellement précieuse, Sylvie, qu'il faut la préserver. Ne soyez pas dans la colère. Acceptez les difficultés pour que les choses soient plus faciles à vivre. C'est fou, hein? C'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Sylvie, la vie, elle est très précieuse. Il ne faut pas ôter sa vie. Si tu ôtes ta vie, tu te retrouveras dans le seuil. Et dans le seuil, tu vas devoir pardonner pour pouvoir partir ben, là-haut, tout simplement. Quoi qu'il y paraisse, la vie, elle est belle, Sylvie. Il faut C'est simplement important jouer le bon de... jeu. Je sais que ce n'est pas facile, il y a beaucoup de difficultés et je pense que beaucoup de personnes passent par là, mais la vie, elle est précieuse. Il faut se battre. Chaque jour, il faut se battre. Je te donne volontiers. Ouais, juste 5 centimètres. On reste des personnes fortes et courageuses. Ah oui, mais Dorothée a raison, je suis fière d'en être là où j'en suis et surtout de ne pas être dans la haine, justement de ne pas me Exactement. dire je Oui. vais tuer tout le monde, je vais... Non, j'ai aucune haine dans mon cœur, quoi. Et ça, c'est le plus beau, Non. voilà, quoi. Il faut être reconnaissant de chaque chose qu'on fait, que ça soit dans la difficulté, que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce qu'on a tous une part d'ombre qu'il faut accepter, mais il faut se dire qu'on a vécu des choses et qui étaient importantes pour notre évolution. C'est ça, Lorenzo. C'est ça. Sylvie, si tu veux que je t'appelle à la fin du live, dis-le-moi. T'as mon numéro, tu peux m'appeler. Mais il faut surtout pas faire ça. Mais vraiment, il faut surtout pas faire ça. Les tortionnaires d'animaux, perso, j'ai pas d'amour pour eux. Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est compréhensible, Edwige. Moi-même, tu touches une abeille, je te frappe. Oui, je l'ai fait, mais rien ne s'arrange. Je mange plus, je dors plus. Appelle-moi, si tu as mon numéro, appelle-moi. Mais toi, surtout, ne prends pas tout à cœur, hein. Non, non, promis, t'inquiète pas. Essaye de mettre une protection et une barrière, hein, Ouais, parce je sais que... pourquoi tu me dis ça. On m'a appris qu'il fallait toujours tirer le positif du négatif. C'est pas facile, mais on y arrive à force de travailler. Voilà, c'est ça. Moi, Ah, Edwige, je vais être oui. honnête. Moi, je vais être honnête, je mange de la viande, mais je mange de la viande halal. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de respect pour l'animal, en fait. D'accord. Donc, pour avoir mes apports, je suis obligée de manger de la viande. Sinon, j'en mangerai pas, hein. J'en mange très rarement, mais je mange pour les apports, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais, là, moi, j'avoue manger de la viande aussi. Hein. Je ne ferai pas de mal aux animaux, mais voilà, avec ma santé, en plus, je n'ai pas le choix. Bah Parce que oui, la on a viande, ce elle goût-là. apporte. Voilà. Moi, je pense qu'elle devrait faire Mon beaucoup de Gérard. prières.
Je t'appelle demain, mon Gérard. Coucou Gérard. Sylvie, ce que tu devrais faire, c'est vraiment beaucoup prier parce que la prière, c'est très puissant et vraiment faire ta demande. Je vais lui redonner mon numéro au cas où, 06 41 01. Et lui, il va pas sans viande. Moi, j'ai ma meilleure amie, ça fait 40 ans qu'elle ne mange pas de viande. Ah, le poisson, c'est bon, Lorenzo. Ah oui. Ah oui. Voilà, Sylvie, prends mon numéro, s'il te plaît. La vie est belle, ma jolie. Merci en tout cas, Gérard. C'est un amour, Gérard. Ouais. Mais tu sais quoi, on devrait faire le live pour la guérison et tout ça. Faudrait qu'on le fasse. Pour la guérison. Ouais. Pourquoi pas mardi, si on en discute avant. Ouais, au lieu de faire le live voyance, on va faire un live spécial guérison, en fait. Voilà, ouais. Si tu veux, ouais. Et puis, comme tu disais, une fois par mois, faire du blabla, simplement discuter ensemble avec exactement, ton mari. Exactement, ouais. Par contre, le blabla, il n'y aura pas vraiment de spiritualité, c'est vraiment, vraiment de du blabla. À la bonne franquette, quoi. Voilà. T'es toujours là, Sylvie? Ah, le poisson, c'est trop bon, Lorenzo. Ah, même oui. Moi, j'adore le poisson. Ah oui. C'est super bon. T'as déjà mangé du poisson, du panga? Non. Moi, oh, j'aime bien le saumon. Alors, j'adore le saumon, moi. Le saumon, ah oui. Je kiffe le saumon. Oui, le saumon. D'ailleurs, j'adore les sushis. Alors. Qu'est-ce qui est un véritable poison? Vous avez plein de bonnes idées. Merci, Lorenzo. Ouais. On essaye. Et après, puis Nico, il est gentil, on va rigoler avec lui. Le live blabla, vous allez voir, on va rire. Aïe, ça va donner. Tu m'étonnes. Sylvie, je reste encore 5 minutes. Et peut-être Dorothée aussi, je ne sais pas si elle restait 5 minutes avec moi. Je vais t'accompagner, ouais. D'accord. Bisous à Léonore. Prends soin de toi. Bisous, ma sœurette d'amour. Les deux Day-Day. Comment ça? Coucou Jean-Marie. Ah ben oui, les deux Day-Day. Ben oui, Davina, ah oui, Dorothée. Drôle de dame, mais oui, c'est vrai. Ouais, les drôles de dames, voilà, c'est ça. Et Paul-Éric, c'est Charlie. Et Nico, c'est qui? Charlie Bis. Je crois en Dieu. Voilà, tu peux m'appeler même tard, hein, tu peux m'appeler tout de suite à la fin du live, il n'y a pas de problème, Sylvie. Mais je t'en supplie à genoux, fais pas de bêtises. Ah oui, franchement, ça ne vaut pas le coup. Il ne faut pas faire ça. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu dois aller au bout de ce que tu as à apprendre. Donc, ça ne servirait à rien, vraiment. Merci Gérard, c'est trop gentil. Ah mais moi, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Même si ça a été difficile, je suis tellement reconnaissante, je remercie tous les jours. Je remercie mes guides, je remercie Dieu, je remercie je remercie mes croyances. Et franchement, je continue à me battre tous les jours, même si c'est pas facile. Comment on pardonne? Alors, moi, pour mon expérience à moi, c'est-à-dire, j'ai dit à Jésus, je te mets au pied le mal qu'on m'a fait. Et c'est toi qui me rends justice. J'oublie, je lâche tout. Et je vous assure que c'est une libération.
de l'âme, de voilà. Et c'est là où vous vous rendez compte que la haine, elle est mauvaise. Elle nous détruit, nous, pas celui qui vous a fait du mal. Ça, il faut jamais l'oublier. La haine fait du mal à soi-même, pas à la personne qui vous fait du mal. De toute façon, il faut toujours se pardonner d'abord soi-même et voilà. Ensuite pardonner l'autre personne, parce que déjà, c'est nous avant toute chose. On prend toujours soin de soi avant les autres, même si effectivement c'est un peu égoïste, mais il faut l'être. À ce moment-là, c'est important pour notre cheminement. Voilà, c'est ça. Bisous, Jacqueline. Bisous, ma belle. Ah bon, Edwige? Ce soir, Dorothée, je te trouve à genoux. Ah bon? Le saumon, hélas, c'est bourré d'antibiotiques. Ah bon? Ah bon? Oula! Le saumon, hélas, est bourré d'antibiotiques, lutte contre les poumons. Ah, moi, je ne mange pas des trucs, les saumons, en fait, je mange que le saumon frais. Je n'aime pas les saumons en truc, là, j'aime pas. Ouais. Je déteste, j'aime pas, c'est un goût dégueulasse. Donc, Sylvie, je compte sur toi, pas de bêtises, hein. Et j'ai remarqué que les gâteaux aussi, de plus en plus maintenant, les gâteaux chocolat, les machins, ça rend, c'est pas bon, hein. C'est vraiment pas bon. Hein. Non. C'est de pire en pire. Alors, pas manger de saumon d'élevage. Oui, je pense que c'est un signe de l'au-delà. Bien sûr, Sylvie, et puis on sera toujours là, hein, que ce soit toi ou que ce soit moi, on sera là. On est là, mais parle-nous, ne fais pas de bêtises, c'est tout ce que je te demande. Tu as besoin de m'appeler, là je ne vais pas tarder à couper, tu as besoin de m'appeler, tu appelles. Ah, mandala, bon après moi j'en mange pas beaucoup là, en ce moment c'est cher hein, le saumon, hein. C'est pas donné. Hein. Ouais, mais oui, hein, les viandes en ce moment, ouais c'est pas... De toute façon, on ne peut plus rien manger. Hein, Non. C'est fini maintenant, hein. Tout est à base de trucs dégueulasses à l'intérieur, mais il faut bien qu'on se nourrisse, hein, donc c'est compliqué. Mais moi, tu sais ce que je fais? Je bénis ma nourriture, en fait. À chaque fois, je pose mes mains au-dessus et je demande à ce que cette nourriture, ben, elle n'est pas toxique pour moi. Moi, c'est pareil. Je bénis la nourriture, toujours. D'accord, Edwige. Ben, tu peux être fière de toi. Bon, ben, on va couper mes loulous pour ce soir. On espère que ça vous a plu. Exactement, Lanky. Ouais, faut tout faire maison, c'est ça. On vous souhaite une très, très bonne soirée. Enfin, fin de soirée plutôt. Ouais, on va ouvrir un resto. Ouais, tu m'étonnes. Le soir, on fait l'analyse de la journée. C'est ça, maman. C'est vers la lumière. Voilà, eh ben, on va vous faire de gros bisous. Mes loulous, Dorothée, ma chérie, je t'aime fort. Merci. Bisous, ma petite papillon adorée. Bisous, mon trésor. Et je vous dis prochain live dimanche après-midi et dimanche soir. Voilà. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Sylvie, tu as besoin de m'appeler, tu appelles. Hein. Bisous. Bisous. Mouah.
Promis, mon Lorenzo, merci.